Ça, par contre, le chargement de 10 ans, quoi. Mais t'inquiète, hein, je pense qu'elle m'a pas cru, Haro, de toute façon. Bah écoute, franchement. Franchement, ça va. J'ai mal à la gorge maintenant, mais ça va. Alors, j'étais arrivé ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je me demande s'il faut pas que je remonte. Ah bah non, je peux pas. Là, je vois pas où je dois aller. Peut-être par là. Peut-être qu'il faut que je fasse le tour. Pas du tout. T'inquiète pas. Elle croit jamais son frère. Genre. Moi, je pense qu'elle t'a cru. Mais non. Je sais pas où je dois aller. Je me demande si je peux pas faire ça, comme ça. Oh, nickel. Je pense que c'était ça que je devais faire. Yes, nickel, c'était ça que je devais faire. Ça devrait venir. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Matériel d'excavation. Shoreline? Quoi? Regarde! Je croyais qu'il cherchait près de la cathédrale. Oh! Ah, attends, il y a peut-être moyen qu'il y ait un écho, attends. Hop, voilà. Oh la décale que je t'ai mis, gros. Okay. What the fuck? Ouais. Moi aussi, j'étais ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il nous attendait. Et on dirait qu'il cherche à l'extérieur de la cathédrale. Ce qui veut dire qu'on doit aller au cimetière et en vitesse. Exactement. Yes, en fait, le truc, c'est que... Je vous explique comment je fais pour récupérer le son du jeu. Je stream sur OBS. Et en fait, la source audio... Direct de OBS, en fait, je demande à ce qu'elle me la renvoie dans le casque. Du coup, forcément, vous l'entendez, moi je l'entends. Sauf que le problème, c'est que quand même, si par exemple je laisse le son de l'ordinateur, du coup vous allez l'entendre aussi. Du coup, c'est pour ça que la dernière fois aussi, vous l'avez entendu. Si ça se trouve, ils se sont fait sauter la paillasse tout seul. Tiens, qu'est-ce que tu paries? Oui, de la dynamite. Eh, hey, tu fais gaffe avec ça. La dynamite. Maintenez R1 enfoncé. Alors. Ça y est, j'ai ouvert la porte. C'était légèrement bruyant. J'espère qu'ils nous ont pas entendu. Ça explose de partout, alors ça passera peut-être inaperçu. Regarde, on pourrait passer par le toit. C'est beaucoup trop haut pour nous. T'as trouvé un truc sur lequel grimper? Ouais. Je sais pas ce que c'est ce truc là. Ça a pas l'air. Ouais, non, peut-être ce truc là plutôt. Mais non, mais what the fuck. Merci pour la crise de rire, Fersi. Merci, t'es le meilleur. 22-6 heures. Incroyable.
Yes, bah de rien, hein. C'est normal après tout. Lol. Ça va, j'ai pas du tout le seum. Allez, grimpe là, putain. Ouais, faut que je pète ce mur. On pourrait utiliser ça pour grimper et sortir. Bienvenue dans le club. Mais ouais, et le pire c'est que pas sûr que ça m'est déjà arrivé, donc faut que je retrouve le truc où je peux récupérer des dynamites. Hop là. Merde. Mais il est où le... Elle est où la porte? Bye bye la porte. Tu te démerdes bien avec ça. Tu sais, j'ai fait sauter pas mal de trucs dans ma vie. J'ai fait sauter pas mal de trucs dans ma vie. Tu veux que je te dise ce que c'est, mon ami? Pas du tout. Aro nous fait une Percy en jeu et Percy nous fait une Aro en vocal. C'est beau. Quoi? J'ai fait une Percy en jeu. Une Aro. Et Aro fait une Percy en vocal. J'ai pas compris. Maintenez et L3. Où ils sont, ces guignols? Enlevez vos sécurités. Tu crois que c'est les types dont Nadine nous a parlé? Peu importe, les ordres sont les mêmes. Go, go! Ils sont juste là-bas! On est perdus! Wesh! 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 Comment je fais pour changer d'arme déjà? Ok, je vais bientôt crever là si ça continue sa mère. Oh là, sa merde. Oh le bâtard. Avant que quelqu'un s'en aperçoive. Non mais... Avance! Bah la 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 la... Ok. C'est bon. Ah oui, ok, d'accord. C'est totalement à gauche que je dois aller. Je peux lancer mon grappin. Voilà.
faut que j'aille où? À toi, tu crois que c'est dans tes cordes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui t'ai tout appris. Oh le mec est... Ok, vas-y, je te regarde. Et après, je ne sais pas où je dois aller. Tu vois? T'as eu un peu de mal. Puf. Ça, c'est de là d'où je viens, je crois. Donc, ça sert à rien d'aller par là. Et du coup, je dois aller par où? Ça sert à rien de venir ici. Là, c'est de là d'où je viens, on est d'accord. Ah mais non, attends, pas du tout. Ah oui, d'accord, ok, faut que je saute là. Sam, il y a une échelle que je peux pas atteindre. Ok, bouge pas, je te rejoins. Bon, sinon, comment ça va les gens? Allez, aide-moi. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Viens, je vais te hisser. Il va me hisser. Wesh. Attendez, mais il y avait le logo du... Mais il a disparu. Ça brûle un peu. Oubliez le parachute. Comment ça, oubliez le parachute? Oh là là. Hop. C'est vrai qu'on s'éclate bien. C'est d'un fun incroyable. On va toujours vers le... Bonjour l'éthique. Tu vas voir l'éthique. Je vais aller pisser pendant que tu fais la leçon au bleu. Alors comment ça s'est fini? Il a maté la révolte? Grâce à notre aide, il a réussi à la contenir. Mais une fois que l'argent... Je sais plus c'est quoi la touche pour les buter. J'ai une raison de rester avec lui. Général? Il a même pas passé la nuit. Vous êtes sans pitié les gars. Comme dit Nadine, les affaires, c'est les affaires. Du moment qu'il y a de l'action, je me fais bien un bon coup d'état. Essayons de continuer comme ça. Vous avez fini de préparer le site? Ouais, le cimetière est prêt pour la... C'est quoi? Oh non, je me suis déjà fait repérer, quoi. Rien ici. Ouais. J'ai joué avec deux personnes, top, hein. Puis une troisième moins top est arrivée. Ah ouais, bah écoute, super. Qu'est-ce que je te dise? Vous avez fini de préparer le site? Ouais, le cimetière est prêt pour la visite du Ghost of Rich. Ils ralentissent pas la gueule. La conne veut des résultats et elle est aussi. Vous avez trouvé quelque chose? Il paraît qu'ils ont découvert des trucs. Oh!
Ah, mais je peux pas lancer loin, loin, quoi. The fuck? Il marquerait comment le mec? Putain, j'ai pas compris comment il m'avait repéré. Mais en fait, j'arrive pas à rester debout. Rester accroupi. Il se relève tout seul en fait. Faudrait qu'il dorme au lieu de venir jouer tout de suite. Mais j'ai dormi avant de venir jouer tout de suite. Est-ce que tu cours? Mais j'ai pas. Ah ouais? Potentiellement. Nickel. Hop là. Là, juste derrière ces murs. Et on descend. Doucement, frangin. J'ai failli me faire arracher les bras, tout ça pour me faire engueuler par ce petit connard. J'aurais dû le buter. Ce gars est à la tête de tout notre groupe. Dynamite, attention. What the fuck? Super. Wallace. Ils ont vol dingué, laisse tomber. Non, 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 non. J'ai failli mourir. Regarde-moi cette vue. Oh la vache. Ouais, elle est pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Comment je fais pour monter, moi, du coup? Est-ce que je dois faire. Je dois sauter sur ces trucs-là, non? Ouais, ça a l'air d'être ça, hein. Pas du tout, en fait. Ça a pas l'air d'être ça, hein. Ah, mais si. Là, j'ai l'impression que sur le côté, il y a des trucs où je peux m'accrocher. Yes. Sam, viens par là. Hop. Ouais, je suis un pro des puzzles, hein. Pas du tout. Et du coup, maintenant, je peux en profiter pour sauter là. Pour pouvoir sauter ici. Voilà. Et du coup maintenant. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Bah vous, j'ai stressé. Je me suis demandé si j'allais réussir. Hein. Oh non. Oh non.
Tu peux sauter quand tu glisses au pour faire ralentir. Ah ouais? Ah d'accord. Ça se trouve du coup là faut que je saute là. Ah mais oui, mais c'est clairement. Ah non! Au secours! Parce que t'en as déjà fait du saut à l'élastique? Non, mais c'est évident, c'est mieux. Peut-être sauter là, non? Alors, c'est à ça que tu t'amuses depuis toutes ces années, hein? Faire le singe sur des ruines? Ouais, ça et puis me faire canarder. Exploser. Frapper. Tabasser. Ok, ça va, j'ai compris. Poignarder. Droguer. T'es loin, non? Ah non. J'ai, merci. Merci, merci. Alors, faut que j'aille là-bas. Oh là. Oh putain, j'ai peur. King Percy. Oh, le foutage de gueule ici. Incroyable. Après, je vais aller me chercher de l'eau parce que je commence. J'ai soif. J'ai soif. Faut que l'autre il se ramène, mais il est un peu long. Allez. C'est bon, vas-y. Okay, allez. Yeah. Je te le fais pas dire. Incroyable. Non, ça, c'est joli, hein. C'est joli, il est sorti en quelle année ce jeu? Dernière demeure d'Henri Avry. Comme sur le parchemin de la croix. Je crois qu'il commence à dater un petit peu. Hein. Alors, 1659-1699. Donc faut que je trouve une. Pierre tombale avec marqué 1659. Et les dates 1659-1699. Alors quoi? Attends, attends. Avec trois éléments. Et on est bon. Alors, une épée croisée, une tête de mort, et 1659-1699. Ok, donc alors, 1671, c'est pas là. Ta-la-la-la-la-la-la. Alors, épée croisée, moi par contre, je vois pas d'épée croisée, mon pote, hein, donc... Épée croisée. Non, il n'y a rien précis. Épée croisée. Mais pas de tête de mort. Donc c'est pas celui-là. Épée croisée. 1600 combien il y a marqué? En voilà une bien bonne. Écoute, attends. Souviens-toi que tu vas mourir. Pourquoi il lit pas ma... Pourquoi il lit pas ma note? Ah mais si, 1659-1699. Ouais, c'est pas lui. C'est pas lui. Je vais commencer à regarder par ici. Ouais, il est pas dégueu, hein. Il est pas dégueu. Alors. Ah, les tombes, elles sont toutes de l'autre côté.
Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai peur. Ça me fait peur, à chaque fois que je glisse, j'ai l'impression que je vais crever. 1659. Ah, regardez, celui-là, mais clairement lui, en fait. Ok, les épées correspondent. 1659, 1699, voilà. Sam, viens voir. Tu l'as trouvé? Regarde, Benjamin Bridgman. C'est le pseudonyme d'Avry. Il y a un truc qui cloche avec ce crâne. Comme si c'était un élément rajouté. Ah oui, tu veux que je te dise ce qui cloche? C'est que c'est pas le sceau d'Avry. Ouais, voilà. En fait, ce crâne, il devrait... être de profil. Qu'est-ce que c'est? On va y aller. Ça fait longtemps que je suis prêt. Sur les pimpons, sur le chihuahua. Une crypte. Une porte secrète. Ouais, mais la porte secrète a sûrement été ajoutée plus tard. Pour cacher son... Mars 1697. Tiens, un des vieux moines a écrit ça. Un miracle. Enfin est le jour de la fête de notre bon Saint Dismas. Des semaines après que nous avons appris l'intention de la couronne de fermer notre cathédrale et de récupérer nos terres, un étranger est arrivé parmi nous alors que mon disciple et moi-même finissions notre prière du matin. Une vision surprenante que cet homme aux yeux de pierre et à la barbe épaisse et isurte, vêtu d'un uniforme de capitaine de la marine, armé d'une magnifique épée et portant une grande sacoche de cuir. Nous l'avons invité à se joindre à nous et il accepta de bonne grâce. Pendant le déjeuner, l'étranger conta une triste histoire de bataille navale et son désir d'enterrer ses camarades tombés au combat sur des terres sacrées, nous confessant qu'il avait quelques affinités avec notre bon Saint Dismas. Et c'est ainsi que nous lui fîmes part de nos propres malheurs. Le délabrement des lieux, l'argent de la couronne qui nous est refusé et la cathédrale abandonnée à l'exception de nous deux. Il hocha la tête d'un air entendu avant de tirer de sa sacoche une bonne quantité de pièces d'or que je n'avais encore jamais vues. L'étranger proposa alors de nous échanger cet or contre nos terres et tous les bâtiments qui s'y trouvent. Bien que mes croyances entraient en conflit avec mes désirs, au bout du compte, je compris que refuser son offre serait de la folie. Avec une telle quantité d'or, nous pourrions certainement faire plus de bien ailleurs que sur ce rivage oublié. Quant à l'étranger, que cette terre puisse servir de ses desseins, quel qu'il soit. Ok, donc sûrement Avry qui a acheté ces terres afin de pouvoir enterrer ses potes, hein, ses poteaux, ses compagnons, ses amigos. En tout cas, il y a pas mal de brume. Hein. Loin de moi l'idée de dire qu'il y a de la brume, mais je pense qu'il y a pas mal de brume quand même. Oh oh, toute la bande est là. C'est une porte, ça? On dirait une porte. Ouais, mais je vois pas l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ces symboles d'étoiles? C'est que c'est un levier, ça? Jésus, Dismas à gauche, le voleur pénitent, Guest à sa droite, le mauvais larron. Dismas, Jésus, Gestas. De gauche à droite, de haut en bas, nous recevons ce que nos actions ont mérité aujourd'hui. Rejoins-moi au paradis. Cool, je vais rester dans le coin. Amusez-vous bien les amis, Dismas, voleur pénitent, Jésus, Jésus, Gestas, mauvais larron. À boire. Oh, faut que je... Ouais, bah du coup, faut que je me lève. Je vais chercher à boire, j'arrive.
Comment ça, il la fabrique, la flotte? Ah, ça fait du bien de boire. On dirait qu'Avry avait un petit faible pour Saint-Dismas. En fait, Avry se considérait comme un bon voleur, tu vois. Il ne pillait et n'assassinait que des barbares non brutaux. Et ça suffisait à en faire quelqu'un de bon à l'époque. Ou de moins mauvais. Voilà de quoi nous éclairer. Hé, hey, le clopeur, j'ai besoin de ton briquet ici. Le clopeur. Ça me blesse que tu m'appelles comme ça. Ça mais ça. Bien fou. Merci, Mère Teresa. Mais ça se dit ça, le clopeur. Oh non. Ça sent le puzzle. Ça sent le puzzle. Ça sent le puzzle. Alors voyons voir. Je peux diriger les lumières. Ah, nous y voilà. On va mettre ça là. L'autre, je le trouve trop simple pour que... Relie les points. Relie les points. Relie les points. Oh, c'était trop simple. Quel boss. Ok, qui ne tente rien à rien. César, ouvre-toi. Mauvais trésor. Chut. Magnifique cette vue, mais toujours pas de prison. C'est vrai, mais... Est-ce que tu vois ces croix, là? Ouais. Mais est-ce que c'est une grotte, juste en dessous? Ouais, je crois qu'Avry essaie de nous indiquer la prochaine étape. Du coup, là, faut que je me dirige jusqu'à la grotte. Quel enfer! Mais on va avoir un léger problème. Si on repart par là, on doit retourner vers la cathédrale. Et on retourne vers Rafe. Merde. Bon, ne le faisons pas attendre. J'ai l'impression que tu vas un poil plus vite quand tu sautes. Mais genre pas grand chose, genre un tout petit peu plus vite. Oh là, y a du monde ou c'est moi? Alors, après un saut, maintenez rond pour ignorer les bords. Est-ce que je suis obligé de les buter ou pas du tout? Oh mais attends. Oh ça meurt. Mais je suis trop con. Mais je suis débile. Oh. What the fuck? Pourquoi ils mettent des trous partout aussi? Oh, ça fait un peu loin quand même pour sauter là-bas. Wesh! Ah, c'est un gueudin lui! Il s'en bat les couilles! Hé, hey, Nathan, là!
Pourquoi dès qu'il y a un trou, tu tombes dedans aussi? Bah, c'est pas moi. Oh merde. C'est quoi cette arme de merde là? Wesh 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 wesh. Ah ah ah. C'est la chenille qui redémarre. Salut toi. Oh putain! Mortel! On a la compagnie! Fouillez toute la zone! Cours, cours, Astérix, me cours. Wesh, wesh, mais c'est des G.I. Joe, mais c'est incroyable. Mais what the fuck? Mais what the fuck, gros? C'est quoi ces G.I. Joe, là? Les mecs, ils sautent d'un toit et ils t'enculent. Mais what the fuck? What the fuck? Norméo. What? Concentré de ouf là. Eh ben, je crois qu'on est bon. Eh ben, c'est chaud. Ouais, mais bon, on respire encore. C'est le principal. Allons ouvrir ce portail. Pam 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 pam. Merci, est bien réveillé là. Oula. Oula. Je t'avoue que tout à l'heure là, quand je vais faire une heure de marche,
Tout à l'heure là, je pense que ça va me rendormir. En plus, il y avait ce truc cool avec la compression. Ouais, c'était cool. Dans le froid, la neige, les grillons, les tigres à dents de sabre. Ouais, moi il y a des tigres à dents de sabre par chez moi, je te jure. Oh, j'ai raté, mais vraiment, mais à boire. Mais je pense que demain après-midi, comptez pas sur moi pour jouer, je pense. Hein. Voilà. Oh merde, j'ai raté. Mais je suis coincé. Je suis coincé. Oh non, je suis coincé. Ah non, c'est bon. Ça s'est bien passé pour ton premier jour de boulot, franchement, ouais. J'ai pas vu le temps passer. À un moment, le mec, il m'a fait... En gros, bah, du coup, j'étais au rayon yaourt. Ils sont tous sympas, hein. Franchement. Mon tuteur, il est sympa. Tous les mecs qui sont dans les rayons où je vais être, ils ont l'air tous sympas aussi. Sauf un, je ne dirai pas son nom. J'ai toujours rêvé de dire ça. Donc voilà, donc j'ai fait des rotations périodiques. C'était peut-être le truc le plus crevant que j'ai dû faire là durant cette première journée. Franchement, c'était crevant de ouf. Genre en fait, en gros, juste, bah, je pense que vous devez savoir ce que c'est, mais au cas où, si vous ne savez pas, je vais vous dire. Que c'est en gros, par exemple, on a des stocks à mettre. Le nouveau stock que tu as date du 39, par exemple, du 30 août, non, du 30 septembre, pardon. Et en gros, les produits qui sont déjà en rayon datent du 29. Et ben en fait, faut que tu enlèves tous ceux qui sont du 29, que tu mettes les 30 tout derrière et que tu remettes les 29 devant. Du coup, bah c'est long, forcément. Donc c'était le truc le plus crevant que j'ai dû faire, du coup. Après, du coup, j'ai fait de la mise en rayon. Et pour dire quand même que ça s'est relativement passé rapidement. C'est que, en gros, genre, je travaillais et tout, et d'un coup, mon tuteur, il est venu me voir, il m'a fait, à 9h, t'auras le droit de prendre une pause. Et moi, j'étais en mode, à 9h, ouais, tout à l'heure, quoi, dans plusieurs heures. Parce que je pensais, genre, que ça faisait, genre, même pas 2-3 heures que j'étais là. Et en fait, il était déjà 9h. Donc, j'ai pas vu le temps passer, Ça s'est passé relativement rapidement. Quand tu es occupé, ça passe vite. Ah bah là, j'étais occupé de ouf. Hein. Je veux dire, on n'a pas arrêté une seule seconde. Autant vous dire que les perles de lait, maintenant, je sais où ça se situe. N'hésitez pas, si vous venez sur Rennes, vous allez au Carrefour Hypermarché. Si vous ne savez pas où se trouvent les perles de lait, vous pouvez m'appeler et me demander. Hein. Franchement... Viens, je vais te faire monter. Ok. Faut que tu dormes, t'as pas assez dormi l'après-midi. Ouais, je pense aussi. Mais après, ça, c'est le temps d'adaptation aussi, hein, tu vois. Genre, je pense que... What ? Pourquoi j'ai tiré ? Je vais aller voir ce qu'il y a à côté de la structure en bois. C'est le temps que mon corps, il comprenne qu'il faut que... Il faut qu'il dorme l'après-midi et pas le soir. Après, je fais des siestes. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est que du coup... Mon corps là, il s'est dit tout à l'heure, bah il va faire une sieste et du coup, forcément, bah il a dormi peu de temps. Du coup, faut le temps qu'il comprenne qu'en fait, bah l'après-midi maintenant il va dormir et il va plus attendre le soir pour aller se coucher. Donc voilà. Mais ouais, ça s'est passé plutôt rapidement. Les chaussures de sécurité, c'est un calvaire. Du coup, en fait, j'ai découvert qu'il y avait des baskets de sécurité.
Ça s'appelle des baskets de sécurité. Et apparemment, c'est ultra confortable de ouf, gueudin. Tant même, tu sais, t'as vu. Non, mais apparemment, c'est ultra confortable comparé aux chaussures de sécurité. En fait, moi, j'ai des pieds fragiles. Et et du coup, bah voilà. Donc, je vais peut-être m'acheter des baskets de sécurité pour changer après. Du moins, pas forcément pour la semaine là, mais en tout cas, pour si je suis pris. Si je suis pris en. Après, je me prendrai les baskets de sécurité. Ouais, je sais pas si vous connaissez ou pas, si vous pouvez me dire. Est-ce que tu crois que c'est les moines qui ont construit ça? Impossible. C'est un genre de système. GPS Percy pour les courses, à peu près, hein. Mais que pour le rayon yaourt. Pour l'instant, en tout cas, c'est que pour le rayon yaourt. Les autres rayons, moi, je connais pas. C'est romantique. En tout cas, pour l'instant. Alors, demain, je vais être au rayon épicerie. Et par contre, j'ai vu. Putain, on en a, je sais pas combien, des rayons. Genre là. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Je me demande si je dois pas genre faire ça mais descendre là. Hey. Ah là-bas il y a un truc. Ah je pense que c'est là-bas. Hey, on peut grimper par là. Okay, j'arrive. Yes, merci, j'ai vu. Ça passe bien en vrai, hein. Ça passe crème dans la montagne, je trouve. C'est pas choquant. Oh non, non. Voilà, voilà. C'est très tendance dans le bâtiment. Ah ouais. Du coup, faut que je vois. Après, ça coûte cher de ouf. Ça coûte cher de ouf les baskets de sécurité. Après, tu me diras au bout d'un moment si t'as envie d'être bien, faut mettre le prix quoi. Donc, je vais attendre et puis je mettrai le prix dans des baskets de sécurité. Meuf là, putain, on dirait un pervers, wesh. Meuf là. Salut, toi. Si tu veux manger du poulet. Où est-ce que je dois aller là? Ah! Mes frères, quel bug? J'ai eu un bug? J'ai pas eu de bug, qu'est-ce que tu racontes? Oula. Hop là. Où est-ce que je dois aller? Économise tes forces, hein. On en a pas encore fini. Vas-y, passe devant. Je suis abonné apparemment, yes. Alex, il a lâché son portefeuille. Comment ça va, Gilou? Il a offert des gifs. Enfin, il a offert des subs. Comment... Où est-ce que je dois passer, là? Je comprends pas. Ça biche, ma biche? Bah, écoute. Tranquillou, bidou. Tranquillement, à base de tranquillade. À l'aise, comme fatal. Écoutez, on va tester un truc. On verra bien. Je peux pas. Ça marche pas. Bah, merde. Ah, faut que j'aille plus haut. Attendez, là, à gauche.
Et oula, 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 oula. Excuse-moi, je te monte dessus, hein, mais ça m'arrive assez fréquemment. Ah, d'accord. Je vois le genre. J'espère que ça va tenir. Eh, je go dodo, bonne nuit. Bonne nuit, Grid. Bonne nuitée. Ah oui, il est déjà 23h, putain. Bah, en même temps, ouais, quand tu dors jusqu'à 22h, forcément, tu arrives moins vite, moins longtemps. Oh, oh putain. Bon courage pour demain, merci. Merci beaucoup. Bonne nuitée. Je vous enverrai des photos de mon périple du chemin jusqu'à Carrefour à 4h du matin. Faut pas que j'oublie de me faire un café par contre, hein, parce que sinon ça va être galère, ça va être compliqué. C'est un beau t-shirt Carouf ? Pas du tout, pas encore en tout cas. Ils m'ont demandé si j'avais justement, mais je pense que pour la semaine d'immersion, je sais pas si j'en aurai. Mais en tout cas, normalement, je devrais avoir une tenue carrefourienne. Et voilà. Comment tu t'en sortirais sans moi ? En tout cas, ça m'a fait rire ce matin. Parce que le mec il m'a dit bienvenue à Carouf. Et moi j'étais en mode yes. Exactement. Yes, bienvenue à Carouf. Merci. Ouais. Aïe aïe aïe. Ta-da-da-da. En tout cas, l'avantage de travailler à Carrefour, c'est quand même tu retrouves des produits que t'avais envie de racheter et tu savais pas où les trouver. Du coup, bah, maintenant je sais. Putain. T'es plus très loin de Rave. Genre, il y avait des... Yo, Litrika, comment ça va? Attends. Genre, il y avait des... Comment... Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est du citron. C'est une sorte une sorte de pancake citron, je sais pas quoi là. Un peu chelou. Et du coup, bah, comme je les ai mis en rayon, maintenant je sais où c'est. Tempête se lève rapidement. T'es resté trop longtemps dans le sud du Soudan. Je suis pas un reptile comme vous, j'ai le sang chaud. Je suis pas un reptile comme vous, moi. Est-ce que je suis obligé de les buter ou pas du tout? Par contre, le logo des abonnés, faudrait retravailler, on voit rien. Mais oui, je sais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va être fait. Après toute une année de recherche intensive, là... Mais encore, rien n'est gagné, hein. Rien n'est gagné. Parce que là, faut se dire que je suis en semaine d'immersion. Eux, ils appellent ça la semaine d'évaluation. Donc, je peux très bien être refusé au final. J'aurais jamais pu imaginer ça. C'était quoi ? Hey, tu m'entends ? Mais wesh ! Mais what the fuck ? Come on.
Oh non, il m'a volé mon kill, le bâtard. C'est génial de faire ça. Ok, c'est fini. J'espère qu'on en a fini avec ces cons. Est-ce qu'il faut que je descende ? Après 2 semaines d'essai, bah là techniquement j'ai 1 semaine d'immersion et après je crois pour le contrat pro, ouais, il y a 2 semaines d'essai, ouais. Attention, ça pourrait devenir instable après l'explosion. Des mercenaires, je croyais que Rafe avait plus de bon sens. Sam, alors comment ça s'est passé le premier jour de vélo? Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé en vrai. Dans ce cas, je m'excuserai. Bon, d'accord. Vas-y. Là, tu vois ? Aucun problème. Ouais, pour une fois. Il y a un deuxième stagiaire qui est avec moi. Je pense qu'il doit avoir. Non, il est plus jeune que moi, je crois. Je crois qu'il avait dit parce que il avait passé son entretien. Oh mais vraiment, mais c'est quoi cette merde quoi. Il avait passé son entretien le même jour que moi, je crois. S'ils te prennent pas, tous les followers vont débarquer. T'imagines? Hey, t'as intérêt à faire attention là-dessus. Ça se voit que ça bosse maintenant, tu es fatigué. Ah ouais? Bon, ça va, c'était qu'une journée, mais. Après, en fait, j'essaye de changer du coup mon rythme de sommeil. Parce qu'en fait, vu que je vais travailler de nuit, je vais essayer de voir pour dormir le jour, en fait. Donc forcément, le temps d'adaptation va être compliqué, je pense, au début. Je pense que je vais être pas mal fatigué au début. On verra. Mais j'ai fait qu'une journée, hein. Oui, on risque de perdre le contact un petit moment. Mais t'inquiète pas. Ok, alors ouais. Ok, on se contacte très vite. Ah, je me suis calé dans mon lit tout à l'heure. En fait, le truc, c'est que tout à l'heure, je me réveille vite fait. Je me dis, c'est de leur faute, hein. Faut pas oublier le fait que c'est de leur faute. Parce que moi, à la base, je voulais dormir. Et ils m'ont dit, viens jouer à Warzone. Et du coup, bah, moi, je ne peux rien leur refuser. Ils sont. Et c'est quand même des viewers lambda, donc je peux rien leur refuser. Donc forcément, bah voilà. Hein. Oh, imite les vampires. Approche. À peu près ça, ouais. C'est gluant. Déjà, c'est toi qui as dit je viens jouer avec vous. Non, c'est pas vrai. Vous m'avez dit tu viens jouer avec nous. Quoi ? Et du coup, vous nous avez fait de la propagande. T'es déjà dedans, alors je vois pas ce qui pourrait t'arriver de pire. Je pourrais perdre ma main. On te trouvera un crochet. Te fais pas prier. Jamais toute la France sera au courant. Allez. Je suis d'accord, c'est toi qui es venu. Vous avez fait de la propagande pour que je vienne. Vous avez titillé ma curiosité. T'es sérieux ? Nous y voilà. Plutôt sympa la déco. Mauvaise foi. Alors que le paradis se destine aux valeureux sols, les cœurs infidèles n'auront. Après on fera du. Après on fera un peu de. Comment de Fall Guys. Floel, c'était chaud. Sauf que c'est pas d'Avry. Comment ça? Regarde.
c'est le pirate de Rhode Island. Thomas Tew. Mais non, c'est pas possible. Je veux dire, je vois bien que c'est son emblème, mais Tew est mort en attaquant la même flotte au trésor qu'Avery. Oui, enfin, si on en croit les légendes. Si c'est bien l'emblème de Tew, alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire. Mais comment ? Très bonne question. C'est vrai, ça, très bonne question, ça. En tout cas, je suis un peu déçu de Cockhead, hein, parce que moi, je m'attendais vraiment à un truc du genre à la... À la comment ? C'est qui ces types, d'après toi ? À la Cuphead, hein, mais pas du tout, en fait. C'est nul à chier. Je suis à deux doigts, j'ai vraiment envie de demander le remboursement du jeu, tellement je le trouve nul. Je suis déçu, quoi. Je m'attendais vraiment à un truc trop bien, et en fait, c'est pas ouf. Je crois que j'ai demandé le remboursement. C'est bon, ça tient, allez. Bien sûr que si. Celle des pirates. Pam pam pam. Tu me connais, je suis toujours chaud pour me ridiculiser. Ouais, moi aussi, mais moi j'ai pas besoin d'être chaud ou pas. Moi, ça le fait tout seul, moi. Par contre, évite de tomber sur un vampire. Ah bah là, vaudrait mieux éviter, tout à fait. Bon, on rentrera pas par là. Au moins, je suis pas tombé dans un trou ou un truc dans le genre. A l'air... impliqué. Je crois qu'on peut le dire. J'ai trouvé un autre... Attends, je vais seulement lui enlever la main de là. Oh. Eh ben... Ouais, un genre de test. Tu peux l'améliorer. Une preuve. Ouais. Ce gars-là, il a dû échouer. Il va falloir faire mieux. Il y a quelque chose sur le bas, là. C'est bon, j'ai remarqué. Un saut. Alors, j'ai un saut. Ok. Et maintenant ? Bah, il y a de l'eau en bas, peut-être qu'il faut mettre de l'eau dedans. Voilà, il est plein. Ok, passe-le-moi. Je vais le remettre dans cette espèce de grande roue. Voyons un peu ce que font ces roues. Alors. Ok, je crois que je comprends ce qui se passe ici. C'est en rapport avec les trois croix ? Ouais. Je crois qu'on est en train de regarder Jésus, notre gentil voleur Dismas et le mauvais larron Gastas. Dans ce cas, ça veut dire que la croix blanche est Dismas. Alors la noire est sûrement Gastas. Ça me sert à quoi de savoir ça ? Ah, d'accord, j'ai compris. Alors attends. La blanche, c'est Dismas. La blanche, c'est Dismas. Dismas, il est à gauche. Mais... Tu les regardes de devant ou de derrière ? De devant. Alors oui, à gauche. Ok, c'est ce que j'ai. Hop, 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 hop. Hop, hop, La noire, c'est qui, il a dit ? Le noir, c'est Gestas. Non. Si, le noir, c'est Gestas. Oh. Mais non. Mm-hmm.
crois que c'est tout? Bah, essaie d'actionner l'interrupteur. Ouais, je pourrais. Le seau doit être en haut. Ah, d'accord. Quelque chose qui a bougé là-haut quand t'as posé le seau. Une tire qui va du mécanisme jusqu'à la porte. Ok, alors le seau est bien là. On le laisse. Ouais, c'est trop simple. Nate Kebab. Oh là là, c'est ridicule. Alors, dis-moi, si c'était un test, d'après toi, qu'est-ce que ça testait exactement? Si on sait remplir un seau. D'accord. Alors, dis-moi, si c'était un test, d'après toi, qu'est-ce que ça testait exactement? Si on sait remplir un seau. Il fallait bien connaître l'histoire de Saint Dismas. Qu'Avry et tout son équipage connaissaient sur le bout des doigts. Oh, fais gaffe où tu mets les pieds. Non. Vous avez rien vu, d'accord? Ok, je crois qu'on va être obligé de monter sur ce pont cassé. Viens ici, je vais t'aider à monter. Dis... Deux, que tu veux qu'on clip. Oula, j'ai pas compris ce que t'as voulu dire, Floël. Ok, j'ai quelque chose pour toi là. Ah, il a quelque chose pour moi. Alors, il veut que j'atteigne quoi? Ah, oui, là-bas. Bah deux secondes frérot, deux secondes. De quoi quoi? Pas vraiment les choses. J'imagine que c'était plus facile quand tous les ponts et les chemins étaient en bon état. Je crois qu'on est en retard de quelques centaines d'années. Voyons un peu ce qu'il y a là. Oh, le boss quoi. C'est bas de plafond ici. Fais gaffe à ta. Je vais faire gaffe à ma. Ah. Oh, de la ferme. Vois de la lumière par là. J'ai fait mordre par un rat. Yo Jojo, comment ça va? Mais... Mais what the fuck? Ah, des catacombes. Ça paraît logique. On est sous une cathédrale. Mais j'entends des gens parler. Tu t'attends. Quoi? Écoute. Rien à signaler du côté des dortoirs. À part quelques épitaphes vraiment bien tournées, rien. Vous avez creusé près de la salle capitulaire? Oui, madame. On a aussi tout retourné côté nord-ouest. Et vous avez commencé dans le secteur sud? Non, pas encore. Il va nous falloir une journée pour y apporter la grue. Nadine? Alors faites-le. En attendant, commencez quand même à creuser. J'envoie une équipe sur place, immédiatement. Très bien. Rafe, quelque chose ressort des manuscrits? On peut parler en privé? Tenez-moi au courant. Bien, madame.
savez quoi? Ils ont trouvé une dépendance juste sous la cathédrale. Oui, je sais. Vous l'avez vu? Non. Pourquoi? Parce qu'après le passage de vos hommes, il y avait vraiment plus grand-chose à en tirer. Ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur la dynamite. On aurait mis un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Mais ils ont été plus efficaces en 2 jours que nous, en plusieurs mois. Plus efficaces. Je ne peux rien faire avec des gravats. Ok. Ok. Merci. Je leur dirai de vous consulter avant de prendre les mesures qui s'imposent. Dites-leur plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non, pas question qu'on se contente d'attendre les bras croisés. Avec tout le respect que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous dans ce domaine. On a essayé votre méthode. C'est faux. Vous faites tout ce que vous pouvez pour faire disparaître cet endroit. Non ! Moi, je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères. Celle où vous m'avez empêché de venir avec mes hommes pour parer à toute éventualité. C'était le moyen le moins risqué de récupérer cette croix. Mais au lieu de suivre mon instinct, je vous ai écouté. Maintenant, on a des adversaires. Mais je pensais pas qu'ils se pointeraient là. Au contraire, vous vouliez qu'ils viennent. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça au juste? Parce que vous pensez avoir besoin de lui. Et c'est peut-être le cas. Quoi qu'il en soit, je vais pas rester à attendre plus longtemps. Si le trésor est là, il faut qu'on le trouve. Et s'il est pas là, il sera temps de passer à autre chose. On va aller voir les prochaines. Hé. Ça n'a rien de personnel. Évidemment. Je vous fais signe si on découvre quoi que ce soit. Elle a peut-être encore de l'amitié pour nous, hein. Moi je dis à la fin, il va se sacrifier pour nous sauver. Faut qu'on trouve le trésor avant qu'il le fasse partir en fumée. Ou qu'il se mette à copuler. Attends. Tu crois qu'elle avait raison? Sur quoi? Sur le fait que Rafe voulait que tu viennes. Du moment qu'il nous devance pas, je m'en tape. Aucune importance. Non. De quelle dépendance est-ce que tu crois qu'ils étaient en train de parler? Ça doit être l'une des chambres latérales, parce que là, il n'y a que nous. D'où est-ce que je viens, moi? C'est un peu trop haut pour sauter, à moins qu'on ait un. Je l'ai laissé dans mon jardin. Aïe! J'aimerais bien. Je me suis éclaté, wesh. Là, je suis vraiment un chasseur de trésors hors pair, quoi. Voilà, j'envoie la caisse. Bon, on se rapproche de plus en plus de la cathédrale. De ce qu'il en reste. Pas dans quel sens je dois aller. Je dois dire que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sophistiqué. Je suis d'accord. Ça a dû prendre des années à construire. Le pont est HS. Faut trouver un autre moyen de traverser. Dans deux coups. Heureusement, c'est pas plus lourd que la pièce. Ok. Je suis passé. Bon, et maintenant? Bah... J'ai réfléchi. Ouais.
Ouais. Qu'est-ce que je dois faire là? Est-ce que je peux pas pousser le truc? Ah, c'était vraiment le taux pour le taux quoi, soit ça marchait, soit ça marchait pas. Un pont, pourquoi faire? Là où on va, on n'a pas besoin de route. On va passer par là. Alors comment on traverse? Bah, on fait le tour. Par ici. Cet endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout, on serait sûrement encore pris au piège. Oh non, mais non, mais non. Bah lui il a dit la même chose que moi. Regarde ça. Si cet endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout, on serait sûrement encore pris au piège. C'est attends, regarde bien. Putain de merde. Ça devait être un autre test, mais... Que chacun sache que moi, Thomas Wa Howard, capitaine du Dauntless, je suis un pauvre bougre crédule. Tout a commencé avec la croix. Un message énigmatique de mon vieux compatriote parlant d'une vague promesse de paradis. J'étais sceptique, mais l'idée de vivre le reste de mes jours à la maison, sans bien savoir de quelle maison il s'agit, était bien trop tentante. Et on n'ignore pas une lettre du roi des pirates. J'ai survécu à un naufrage au large des côtes de Madagascar. J'ai survécu à l'attaque de l'East Indiaman Pembroke, mais je ne survivrai pas à ça. Ma jambe est cassée et mon équipage trop lâche pour poser le pied dans ces fichues cavernes n'entend pas mon appel au secours. Qui aurait pu imaginer que mes exploits me guideraient jusqu'ici pour mourir aussi misérablement et tellement loin de chez moi? Que Dieu lui-même te maudisse, Henri Avery, et que mon fantôme te hante jusqu'à la fin de tes jours. Je vous laisse, bonne nuit Haro, bonne nuitée. On va dire qu'on a rien vu, ouais je pense qu'on va dire ça. Ce truc en bois en forme de bascule qui a l'air bien costaud. T'entends le coup? Bon, quand faut y aller. Salade. Quelle salade? Tu rigoles? C'est une petite merveille d'ingénierie. Laisse-moi deux secondes. J'ai trouvé quelque chose pour faire contrepoids sur la bascule. Oh là là. Voilà. C'est plus compliqué. Encore un test de réussite. Au point où on en est, j'aimerais mieux tomber dans un autre piège. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrive au bout de ce truc. Ok, ça commence à être spectaculaire avec toutes ces statues. Non mais sérieusement, quel est l'intérêt de décorer l'endroit où est enterré un trésor? Ou de créer des tests compliqués. On peut pas faire genre chacun son tour, genre en fait c'est tout le temps moi qui dois mettre ma main dans ces trucs. Tiens, voilà encore.
encore une croix. Celle-là a quelques pierres incrustées, au moins. Oh ! Touche pas. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu vois pas ? C'est la seule chose qui ait de la valeur dans cette grotte. Bien vu. C'est encore une épreuve. La cupidité. Ouais. Ou bien son contraire. Ok. Et donc ? Ça va se jouer avec les pièces. T'es sûr de ton coup ? Ouais, quasiment. Quasiment, ça fera l'affaire. Attends, une seule d'abord. Ah ouais, j'ai compris. Faites que ce soit ça. Tu vois de quoi il s'agit ? C'est Madagascar. Regarde, il y a une étoile là. C'est la paix du roi. Absolument. Quel seul enfoiré. Il nous fait tourner en bourrique. De quoi tu parles ? Ce con d'Avry, il nous fait tourner en bourrique. On était censé toucher au but. Alors il est où ce putain de trésor, hein ? La paix du roi, c'est bien beau. Mais après, ce sera quoi ? Le pôle Nord ? Une autre planète ? Nathan. Alors que le paradis se destine aux valeureux sols. Et il recrutait des hommes. Qu'est-ce que tu racontes ? Avry ! Il recrutait des hommes ! Pourquoi il aurait recruté des hommes ? Oh, merde. Messieurs, la discrétion, c'est vraiment pas votre fort. Jetez vos armes. Lentement. J'ai des comptes à régler avec toi. Ça t'a pas suffi de me balancer par la fenêtre ? Raif, répondez. Je suis au cimetière, là. Et ils sont venus là, Nadine. Je sais, ils sont juste devant moi. Quoi ? Vous êtes où ? Revenez à la cathédrale. Et suivez les trous. J'arrive tout de suite. Et les tuez pas avant que je sois arrivé. Je peux rien vous promettre. La baie du roi. Oui, mais... où exactement ? Il va vous falloir cette croix pour le découvrir. Et puis... on n'est que deux à pouvoir vous dire comment vous en servir. Laissez-moi deviner. Vous deux ? Sinon, tu peux t'en remettre à Raif, mais ça risque de prendre des années. Désolée pour vous, mais je suis pas venue pour ça. Apporte-moi le crucifix. C'est pas un crucifix. Quoi ? Bah, techniquement, ce qu'on appelle un crucifix, c'est une croix qui... ouais, bon, c'est pas grave. Le touche pas ! Oh, les bruits. Ouais, je dois aller où ? Je dois aller où ? Mais l'enfer ! Il a dit. Voilà. Là-bas. Et ça.
Aïe aïe aïe. C'est compliqué. Ah, il me gave. Allez, prends ça. Oh merde. Merde. Oh ça merde. Pour esquiver la tourelle, moi. Je peux pas grimper là, non. J'ai raté là, non? Putain! Oh, la manette de play, c'est imprécis. Plus d'une malade, quoi. Oh, sa mère. Ça y est, on peut avancer.
Sam, un sniper! Vite, à couvert! Merde! Sur R3 pour zoomer. Attendez de descendre jusqu'à ce que tu percutes l'eau. Oh là là, ça c'est génial. Hein. Ça c'est kiffant de ouf. Hein. À la tête du client. Petit succès obtenu. Oh là là, la bombe. Avec ces jambes comme BR. Je suis toujours aussi mauvais à Fall Guys. Vas-y, on va y aller. J'attendais de terminer le chapitre. On l'a échappé belle, hein. De Dieu, ils ont canardé mon coucou, Nate. Heureusement, on n'a rien. Dans combien de temps on peut être à Madagascar? Alors toujours pas de trésor. T'inquiète pas. Je vois pas pourquoi vous dites ça, regardez. On est riche. De Dieu. Disons que c'est un début. Et vous pensez que le reste est à Madagascar? On a trouvé une pièce dans laquelle il y avait une carte géante de Madagascar sur le sol, alors... Ouais, c'est une bonne piste. Ça commence sérieusement à sentir la chasse au deuil, ton histoire, fiston. Le trésor n'a jamais été en Écosse, en vérité. Mais à quoi ça servait, tout ça, alors? La croix de Saint-Dismas et le reste... Écoute, je te l'ai déjà dit. À mon avis, Avery recrutait des hommes. La croix, c'était une invitation. Les grottes, c'était juste une sorte de rite initiatique. Oh, on a réussi le test, alors.
Super, Victor. On a gagné chacun un cache-œil et un perroquet. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait se donner tant de mal pour recruter les hommes? Il fallait bien qu'il se protège. Avery était l'homme le plus recherché de la planète à cette époque-là. Il devait s'assurer que ses recrues étaient dignes de confiance s'ils voulaient protéger leur trésor. Comment ça, leur trésor? Bah, écoute, réfléchis un peu. Tom Astew était lui aussi un pirate d'exception en ce temps-là. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avery? Ce que j'en pense, moi, c'est qu'Avery n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortunés que lui. Et s'ils avaient décidé de planquer tout leur trésor au même endroit? Il y aurait de quoi faire passer le putain du Gunsway pour de la petite monnaie. Exactement. Oh, bon Dieu de merde. Ok, alors, où est-ce qu'on est censé aller à Madagascar, exactement? À la baie du Roi, c'est un endroit où les pirates venaient se réfugier à l'époque d'Avery. Oh, je connais bien, c'est plutôt étendu. T'as rien de plus précis? Eh ben, la salle de la carte s'est complètement effondrée, alors... j'en sais rien. Je peux savoir ce qui te fait rire? Ceux qui survivaient à l'épreuve des grottes, les recrues. Quelle est la seule chose qu'ils pouvaient prendre avec eux? Il y a un volcan là-dessus. Il y a aussi un volcan près de la baie du Roi. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Sony. Ouais, vas-y, ils font des placements de produits pour leur propre truc, quoi. C'est incroyable. Allô? Ah, salut Knight. Salut chérie. Bah, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tout va bien? Oui, tout va bien. Pourquoi? Bah, tu sais, on voit que ça à la télé, toutes ces inondations. Peut-être qu'aller en Malaisie pendant la saison de la mousson, c'était pas une si bonne idée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous a pas facilité la tâche. Au contraire. On a eu des problèmes avec le matos, mais personne n'a été blessé. L'important, c'est que tout le monde aille bien. Alors, vous commencez à travailler demain? On doit décaler. Pas le choix. À mon avis, il va bien falloir compter au moins 10 jours de plus. Oh. 10 jours? Et pourquoi est-ce que j'essaierais pas de prendre un billet pour te rejoindre? Bon, tu sais, ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien, je veux dire... Les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça nous prendra moins de temps que ça. Ok, je vois. Ne précipite pas les choses et fais bien attention. C'est promis. Comme toujours. Ah, désolé chérie, mais il va falloir que je te laisse. Jameson est en train de me faire signe. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Elle sent qu'il y a un truc qui va pas... Oh, j'espère qu'ils vont pas rompre à la fin du jeu, putain. Quoi de neuf côté satellite, Victor? Pour l'instant, absolument rien. J'ai perdu le signal. J'aime bien cet aspect de romance dans le jeu. Voilà, cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture. Final, oh. Ok. C'est parti. Good luck. Good luck pour la finale, là. Les 12 tours. Sauvegarde. En tout cas, j'aime beaucoup ce jeu. J'ai moins aimé le 2 et le 3. Le 4, je l'aime vraiment bien parce qu'il y a ce côté romance avec, avec Elena où tu sais pas trop comment ça va se passer entre eux, etc. etc. Même si avant, il y avait cet aspect-là. Je me referais bien le premier pour revivre leur rencontre parce qu'elle était vraiment sympa, j'avais bien aimé. Je pense que je vais me le refaire le premier. Hop. Tic. Perdu la finale. Oh merde. Vas-y, tu peux me rejoindre sur Discord si tu veux, gros. Je vais demander le remboursement de Cockhead parce que finalement, je le trouve pas ouf. Donc voilà. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus fun et beaucoup plus dynamique que ça. C'est vraiment pas ouf. Papa. Allô? Allô?
Ça va bien. Ça va bien, et toi? Bah écoute, ça va.